Bonjour les créatifs, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Bruno Beuret et bienvenue sur ma chaîne Imagine Apprendre et Découvrir. Donc encore une petite vidéo sans mon visage, donc je suis encore à l'étranger, donc c'est une courte vidéo sur trois façons, trois méthodes d'améliorer vos masques de fusion quand vous les avez créés. Je trouvais super intéressant de vous faire ça car améliorer les masques c'est toujours hyper important et hyper utile pour les photomontages ou pas rien que, hein, aussi pour des retouches globales, locales, pardon. Donc, pour ce faire, je vais utiliser ici cette photo de bison d'Amérique et on va détourer ce bison et améliorer ce masque avec ces trois méthodes. Donc, pour aller assez vite, on va sur l'outil de sélection d'objets. Parce que j'estime qu'on n'a pas trop le temps et on va détourer rapidement. Parce qu'on pourrait le détourer très précisément en prenant un peu plus de temps. Mais ça, c'est une autre technique que je pourrais peut-être vous montrer plus tard. Alors, je vous invite à aller sur la barre de menu ici de l'outil. Ici, sur la petite flèche, le cloud, pour avoir une méthode de calcul un peu plus précise quand même. Et ensuite, on sélectionne un objet. Il va nous détecter le bison. Et là, on crée ici en bas un masque de fusion, tout simple. Moi, je vais prendre l'outil pinceau. Je vais ragrandir un peu et je vais remettre un petit peu de détails au fond, que ce soit un peu plus cohérent dans notre image. Voilà. Comme ceci. Parfait. Alors ensuite, on va zoomer un peu par ici, où c'est qu'il y a les lignes droites un peu, ouais. Et on va regarder, on se dit, ouais, c'est pas si mal, hein. Il a bien détecté. Mais comme je travaille dans les photomontages très précisément et je ne veux pas de lignes, comme on peut voir dans certains détourages, je veux m'assurer que ce soit extrêmement bien fait, même si on met un fond un peu plus foncé. Alors pour ce faire, pour vérifier, on va ici dans la petite icône et on va dans couleur de fond unie, on va mettre la couleur inverse. Du jaune, c'est un peu un bleu. On va le mettre assez foncé, qu'on voit bien. Voilà, pas trop vu, pas trop saturé. Voilà. Et on va tout simplement le passer dessous. Et là, on remarque déjà, même à 50%, qu'il y a une légère ligne jaune. Alors, c'est déjà pas mal hein, pour la sélection. On voit que déjà, cette ligne, elle donne l'impression que c'est trop net, en fait, dans notre détourage. Et là, on retrouve vraiment l'orangé jaune, l'arrière-plan. Et c'est ça qu'on va améliorer maintenant. On peut voir qu'il y en a jusqu'ici. Hein. Mais on va améliorer ceci avec ces trois façons. Alors, la première méthode, on va bien se mettre sur le masque de fusion. On va tout simplement, pour que vous compreniez mieux, ouvrir un nouveau document. OK. Je vais créer ici en bas un nouveau calque. Et je vais prendre le pinceau que je vais rétrécir. Et là, je vais tirer une ligne droite. C'est un pinceau structuré, justement. C'est pour ça que je voulais vous montrer avec un pinceau structuré. On va bien dans menu filtre, tout en bas dans divers, et on va prendre le filtre minimum. Alors, que fait ce filtre minimum? Il va tout simplement, avec le rayon en pixels, ragrandir ici, voilà, notre peinture. Si je le ragrandis beaucoup plus, on verra. Ça prend un peu de ressources. Hein, voilà. Et comme je l'ai mis en conserver les arrondis, ben on continue à voir la structure, mais en arrondi. Si je mets l'autre perpendicularité, on va plutôt être en carré. Ça ressemble beaucoup moins. Alors là, c'est à l'extrême. Hein, on est à 60 pixels environ. Donc c'est vraiment pour vous montrer qu'en fait ça va ragrandir notre calque. Donc si c'est inversé, ça va ragrandir dans l'autre sens notre calque. Ça va mordre un peu sur la sélection que j'ai faite du bison et on arrivera à enlever ce filet. Donc ici on va bien se mettre sur le masque parce que oui, on peut mettre un filtre sur un masque. Donc on se met bien là en minimum. Et là, on peut voir déjà que ça a bien opéré à 3 pixels. Moi, je vais peut-être quand même un peu descendre pour qu'on voyez. Je vais me mettre à 0,2. On voit bien là. Et là, je vais ragrandir le rayon. Et souvenez-vous, comme le masque, il est noir autour, il va ragrandir le masque.
comme on a vu sur notre pinceau, il va le ragrandir, puis comme il va le ragrandir, il va mordre un peu sur notre bison là. Et là, on va se mettre à 2, 3, et voilà, on n'a plus de lignes, c'est pas mal du tout. On ne veut pas se mettre, comme je vous avais dit, parce qu'on ne veut pas de lignes, on veut vraiment rester en arrondi, c'est beaucoup mieux. Je mets OK, et là, on va faire un peu le tour, et c'est pas mal du tout, hein. On a carrément tout enlevé la ligne, on va voir un avant-après. Voilà, notre ligne avant et après le filtre qu'on a déposé sur le masque. Ce fameux filtre qui a ragrandi notre masque en fait. Comme on a eu ici, comme je vous ai montré, ragrandir notre pinceau. Là, il va ragrandir notre masque. Voilà pour la première méthode plutôt efficace qui fonctionne avec beaucoup d'images. Maintenant, on va revenir en arrière. Alors, la deuxième méthode, tout simple aussi, on va bien sûr le masque, et ici, dans les paramètres du masque, on a sélectionné et masqué. Si on clique dessus, on arrive tout simplement dans les propriétés de sélectionner masqué. Et là, je pense que vous avez tous un peu vu sur Internet comment ça fonctionne. On peut ici retrouver le décalage du contour, donc on peut bouger le contour et puis regarder. Il va faire un peu la même chose que ce qu'on a vu avant avec le filtre minimum, sauf que c'est un petit peu moins efficace, hein. Regardez, on voit toujours ces lignes. Alors ici en haut, c'est pas si mal, mais là on voit toujours notre ligne qui est quand même assez présente. Et moi, ça par exemple, ça, si je veux vraiment bien incruster dans un fond, je veux vraiment pas qu'on le voie. Donc, j'ai une petite méthode qu'on va reprendre. Toujours ici, on va prendre contour progressif, on va le monter. Et regardez, ça va flouter en fait. Ça va flouter notre masque. Si on prend le masque, on va regarder que ça a flouté notre masque, tout simplement. Alors là, on se dit, mais attends, c'est encore pire qu'avant, en effet. Mais on va créer ici un contraste un peu plus fort pour ramener un peu, voilà, notre netteté. Voilà, j'ai peut-être un peu exagéré. Comme ça, on a flouté et ramené un peu notre flou plus net. Et ensuite, si on prend le décalage contour, et là, on le monte gentiment, et regardez, on l'a complètement enlevé. Il n'y a vraiment plus rien du tout. Car en fait, comme on a réagi avec ces deux-là, on a rajouté en fait tout simplement un contour progressif qu'on a recontrasté pour qu'il rediminue. Notre décalage du contour réagit beaucoup plus fortement que si on avait mis ces deux réglages à zéro. Et on remarque que ça revient un peu au filtre qu'on avait mis minimum. Et là, on n'a plus du tout de ligne blanche et c'est plutôt pas mal. Peut même un peu mettre moins de contraste pour flouter un petit peu le bord, parce que quand c'est trop net, c'est jamais bon, hein. Ouais, comme ceci. Voilà, c'est un petit peu une gymnastique entre les trois curseurs pour chaque image, hein, parce que chaque image est différente. Et là, on a bien récupéré notre sélection qui est beaucoup mieux. Et là, on met OK. Et voilà. Bon, ça nous a créé un calque au-dessus, mais on peut voir la différence. Là, on a bien notre filet. Et là, on a le même résultat que si on avait utilisé ici le filtre minimum. On va jeter ça. Et maintenant, une méthode plus manuelle pour la troisième, que j'utilise plutôt pas mal quand je veux aller directement aux choses et rajouter un petit flou, un petit dégradé sur l'arête. Je vais utiliser ici l'outil doigt, tout simplement. Et l'outil doigt, on peut retrouver le menu ici en haut et on va mettre bien sûr 1%, hein. Alors, je vous montre ce que fait l'outil doigt à 100%. Il pousse carrément la matière et l'étire. Vous voyez, là, c'est vraiment extrême parce que je suis à 100%. Ça prend pas mal de ressources aussi. Alors, on se dit, mais comment on peut enlever un filet avec ça? Ben, tout simplement en mettant 1%. On va gentiment à la main repousser, mais bien sur le masque ici de fusion. Et on clique, on glisse légèrement. Et voilà, on enlève gentiment.
Ça, c'est quand on n'a pas trop le temps, qu'on n'a pas trop envie de s'embêter avec des filtres et des astuces. On repousse tout simplement. Moi, je l'utilise beaucoup sur ben, ce genre de détourage. Comme ça crée un léger flou. Hein, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment quand on clique, quand on détourne, je veux dire, le bord ne doit pas être net. Hein. Ça, c'est un principe en photomontage. Ou même hein, si vous voulez retoucher la colorimétrie tout simplement du bison, c'est toujours mieux d'avoir un léger dégradé pour que ça fasse plus réel. Voilà. Regardez là la ligne blanche. On clique, on glisse, on clique, on glisse. Et regardez, là on voit tous nos poils du bison. Et là, si on clique, on glisse, on va enlever et flouter en même temps tout en gardant bien notre sélection, nos poils. Voilà. Ce qu'il faut faire attention, c'est toujours bien aller dans ce sens, parce que si vous tirez dans l'autre sens, vous allez faire ressortir le. Regardez, on va faire ressortir le blanc, enfin le filet. Donc, faut bien tirer à l'intérieur, hein. Et on enlève cette ligne blanche, et voilà. Et un récapitulatif pour que vous compreniez bien. Première méthode. On prend un filtre d'endiver minimum pour ragrandir notre masque. On se met bien en arrondi, important. OK. Là, on a enlevé en un ou deux clics, on a enlevé le tour, le filet blanc, enfin jaune hein, ici, parce que des fois il est blanc parce que pour certains détourages. Deuxième méthode, on reste bien sur le calque ici, le masque du calque. On va dans sélectionner et masquer. On zoome un petit peu pour mieux voir. On augmente le contour progressif un petit peu. Là, on voit qu'il s'est augmenté, qu'il est devenu plus flou. On redresse le tout avec le contraste. On ne met pas trop haut comme j'ai fait avant, hein. Et comme on a augmenté ces deux curseurs, le curseur de décalage du contour va être beaucoup plus puissant. Et voilà. On a tout bien enlevé le bord en quelques clics aussi. On peut même maîtriser un petit peu le flou, hein, si vous voulez mettre plus de flou. Voyez. En fait, ça revient à la méthode que la troisième méthode avec le doigt, mais plus direct sur toute la sélection. On met OK. Ça nous a créé un autre calque au-dessus. Et voilà la différence. Et je vais vous montrer la troisième méthode que j'utilise quand même régulièrement et assez souvent parce que j'aime bien être très précis et j'aime faire les choses manuellement. On prend bien l'outil doigt. On met l'intensité ici dans le menu de l'outil à 1%. Des fois, s'il y a beaucoup de trop, on peut même mettre 2%, mais faites bien attention que ce ne soit pas trop flou. Et là, on reste bien sur le masque, hein, pourtant. Et là, on clique, on glisse. Pour enlever gentiment et sûrement tous nos filets. On pousse bien la matière contre le centre, hein, puis pas contre l'extérieur. Sinon, on va revoir une ligne. Pour moi, là, c'est vraiment parfait parce que c'est légèrement flouté. Et quand on va mettre quelque chose derrière de foncé, comme ici la couleur, on va absolument rien voir et ça va se fondre dans l'arrière-plan. Car les arêtes ne sont jamais linéaires et droites dans la réalité. D'ailleurs, on voit que ça fait déjà un peu plus naturel. Voilà. Voilà pour ces trois méthodes. J'espère que vous avez appris quelque chose, que c'est des méthodes qu'on ne voit pas très souvent. Encore une fois, l'intelligence artificielle va super loin et est très précise, mais pas dans toutes les situations. Donc, c'est bien de savoir le faire aussi encore manuellement, comme je viens de le faire, avec le filtre minimum, avec le sélectionner et masquer, et l'outil doigt, qui est trois méthodes, à mon sens, qui sont très efficaces quand on veut faire des beaux détourages. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.